Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et on se retrouve dans une nouvelle vidéo vlog, donc je vous emmène avec moi pendant la semaine pour vous montrer l'avancée de mes tricots petit à petit. Petit rappel, tout ce dont je peux parler se retrouve en lien sous la vidéo, je vous mets les liens vers mes fiches ravelry où vous trouvez normalement à peu près tous les renseignements, le patron, la taille d'aiguille, la taille que j'ai réalisée. Je me suis dit, bon, bah, ça pas, c'est propre à moi-même. Les laines, les coloris, les quantités, voilà, vous retrouvez à peu près tous les détails sur Ravelry. Il n'y a que pour les tests où il n'y a pas, comme il n'y a pas de fiche Ravelry, puisque le patron n'est pas sorti, vous n'avez pas ces détails-là. Et vous pouvez me suivre également sur Instagram, mais où je suis moins, je suis active en story, on va dire. Je vais partager pas mal de petites choses que je fais avec mes petits, de nos journées, tout ça, mais c'est vrai que je poste moins. Je poste moins de photos parce que l'envie n'y est pas. Et donc, comme l'envie n'y est pas, je me force pas. Voilà, tout simplement. J'aime faire mes vidéos, j'aime revenir chaque semaine sur YouTube, filmer tous les jours, c'est pas une contrainte, c'est j'aime faire ça et j'adore le partage qu'il y a. Mais c'est vrai qu'Insta en ce moment, ben, c'est pas mon truc, donc j'y vais moins. Il y a que faire mes petites vidéos de mes tenues, j'aime bien, parce que ça me permet de vous montrer l'association pull et châle, chose que je fais pas dans les vlogs, parce que ben chez moi j'ai pas froid, et je mets rarement mon châle, je mets vraiment mes châles pour sortir de chez moi, donc vous les revoyez rarement en fait les châles après que je les ai tricotés. Et donc ben j'aime bien par contre faire cette petite vidéo, association pull... pull châle que je vous poste sur Instagram mais que je repartage aussi sur YouTube et je vois que j'ai des retours donc ça vous plaît. Voilà pour le petit blabla de début de chaque vidéo, je me dis qu'il est répétitif mais à chaque fois il y a des nouveaux abonnés, d'ailleurs merci beaucoup et bienvenue à vous si vous venez de rejoindre récemment la chaîne, donc je me dis que c'est toujours intéressant de le répéter. On se retrouve donc pour une nouvelle semaine. Alors chez nous c'est la dernière semaine scolaire avant les vacances, je crois qu'on est la dernière zone à être en vacances, donc ça va être les vacances la semaine prochaine pour les enfants. Personnellement pas de congé là au mois de février, ça va être assez sportif, bon, bref c'est les vacances. Donc là je profite, c'est une semaine un peu plus cool, oui, voilà. Donc il y a moins de monde à la maison, je profite un petit peu ça, pour me reposer parce que j'en ai besoin. Mais je vais tricoter. Donc voilà, ce week-end, bah, j'étais en formation pour mon métier d'assistante maternelle agréée. J'ai eu beaucoup de questions, donc oui, les formations ont lieu le samedi. C'est un choix de nous en tant qu'assistante maternelle, puisque ça ne permet aux parents de ne pas poser de journée. En fait, bah, voilà, on le fait sur notre temps libre pour pas embêter nos parents employeurs, parce que si on le faisait en semaine, et on a le droit de faire nos formations en semaine, est-ce que... Mais je pense qu'il faudrait qu'on ait dans ces cas-là l'autorisation de nos parents employeurs pour le faire. Et bon, bref, ça complique la vie à tout le monde. Donc on le fait le samedi et on aime ça. Et c'est facultatif, c'est pas obligatoire. Alors nous, personnellement, on travaille avec notre relais. Donc le relais petite enfance, c'est vraiment, on va dire, notre endroit où on a toutes nos informations, où nous, on peut aller faire des activités avec les enfants et où les parents trouvent plein d'informations administratives, qui trouvent les listes avec les assistantes maternelles, qu'on travaille avec eux. On a une réunion chaque année avec eux et la directrice de notre centre de formation. Et en fait, on travaille voilà à trois pour, nous, là, en tant qu'assistantes maternelles, choisir les formations qu'on veut effectuer l'année suivante, qu'on est assez toutes d'accord pour faire la même chose, qu'on a un quota d'heures par an qui est de... je sais, 54, 58 heures, quelque chose comme ça par an. Et donc on se met toutes d'accord pour choisir, en gros, grosso modo, on en fait 3, à peu près 3 formations par an. Et voilà, et comme ça, bah, on les met en place. Donc on a choisi le thème, on sait avec qui on est, c'est un bon groupe, on s'entend bien. Donc même si c'est le samedi, bah, voilà, on passe quand même une bonne journée et on est rémunéré de toute façon quand même pour cette journée. Donc elle n'est pas non plus... voilà, c'est franchement c'est chouette. Donc nous, voilà, j'étais en formation éveil musical et artistique.
Voilà ce que j'ai pu faire et je l'avais donc partagé sur Instagram. Je ne tricote pas en formation, je l'ai fait. Des fois, je l'ai fait. Mais en fait, on parle trop, on rigole tellement que je le prends plus mon tricot parce que voilà, je suis dans le. Je profite vraiment du moment avec mes collègues de travail et en fait, je tricote jamais quand je suis en formation. Je ne tricote plus. J'ai tricoté un petit peu à un moment, mais pendant les pauses repas ou les pauses de milieu de journée, mais je le fais plus parce que je profite avec les collègues. Alors cette semaine, non, bah aujourd'hui, je porte le pull Wannabe version Aros Sweater. Alors le pull Wannabe, c'est un modèle de NC Nice, disponible en français, en anglais, sur Ravelry, sur son Playhip. Vous avez toutes les informations. Et j'ai fait les rayures façon Aros Sweater, c'est-à-dire que j'ai fait des rayures de mémoire 8 rangs. Tous les 8 rangs, j'ai changé de couleur. J'ai 5 couleurs au total. C'était 5 échevaux du calendrier anniversaire, pré-anniversaire. De teinture lurée, c'est-à-dire qu'on ouvrait un paquet par jour pendant 9 jours avant son anniversaire, c'était top. Moi j'avais aimé beaucoup la formule de l'an dernier parce que j'avais pu avoir des grands échevaux, il y avait des mini, des échevaux de 50 grammes et des échevaux de 100 grammes, j'avais pris la version 100 grammes et je me suis fait ce pull que j'adore énormément. Cette année, la formule, il y a un calendrier qu'elle a réalisé avec une formule différente qui consiste. Je crois qu'on a la laine, une quantité pour faire un projet qui est prévu dans la box. Là, dans la box, il n'y avait pas du tout de patron. On était, voilà, vous aviez de la laine, vous faisiez ce que vous voulez avec. Là, il y a une association laine patron et donc il y a la quantité pour faire. Mais c'est pareil, c'est quand même sous la forme de chaque jour un paquet à ouvrir. Voilà. Donc là, c'était teinture lurée. Donc c'est des coloris que vous ne pouvez pas retrouver. Mais en tout cas, celle-là est super agréable, super douce. Elle vieillit très bien et j'ai eu un gros gros coup de cœur pour ce pull-là, les rayures. Franchement, ces rayures, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà pour ce que je porte, le pull Wannabe. Cette semaine, je vais monter, parce que pas on, non, toute seule, je vais monter des nouveaux projets. Donc ce que vous pouvez entendre, c'est souvent le terme castonner, du verbe castonne en anglais, parce qu'il y a des fois où on me redemande, donc je précise un peu. Donc je vais monter des nouveaux ouvrages et j'ai hâte. Et en fait, j'ai même commencé quelque chose de non prévu ce week-end parce que l'idée me trottait en tête et je me suis dit, allez, je vais essayer, je me suis lancée et pouf, c'est parti. Mais quand même, ce que j'ai encore sur mes aiguilles, j'ai un test pour Laetitia, même les anges tricotent. Je vous montre le châle, une brioche pour le thé qui vous plaît beaucoup. Donc voici l'endroit du châle, c'est une collaboration avec Bulbe Bizarre, Pauline, et j'utilise donc des laines de Pauline, justement Bulbe Bizarre. Ici c'est son coloris prune, ce très joli violet, vraiment magnifique. Là c'est le coloris So British, en Stellina, c'est en tout en fingering, donc là c'est sa base extra fingering qui est très douce, très agréable. Et ici on a Cinnamon Rolls. Donc aussi dans sa base extra fingering. Et là c'est de la fingering mais avec de la stellina. Et j'aime beaucoup. Et donc ça c'est l'envers. Et voyez j'ai pu recommencer. J'en étais. Alors, ouais, j'ai pas changé mon marqueur depuis vendredi. Quand je vous ai quitté, j'avais fait toute ma section là de points mousse. Et cette semaine, j'aimerais avancer au mieux, au maximum, sur la section en brioche. Je suis pas sûre de l'avoir fini pour vendredi parce qu'il y a quand même pas mal de rangs à faire et qui deviennent de plus en plus grands. Mais voilà, dépasser la moitié, faire la plus de la. Allez, on va dire les deux tiers. J'aimerais faire les deux tiers cette semaine de la section de brioche. Oh, ça va être joli, j'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'est un modèle que je teste et qui sortira fin mars. Donc Laetitia, même les anges tricotent, donc vous allez le voir avancer petit à petit. Non, les petites images avant, vous avez pu voir, j'ai bobiné un écheveau qui est très coloré, qui est très poilu. C'est celui-ci. Et j'ai décidé de pas. Je voulais pas le tricoter tout seul parce que c'est quand même un coloris très chamarré. Donc il s'agit des écheveaux Muse de Langyarn. Donc c'est un écheveau de 100 grammes, mais il y a plus de 500 mètres de fil. Et je l'ai tricoté avec d'autres laines et je vais vous montrer mon échantillon. Voilà ce que ça donne en échantillon. Et là, j'aime beaucoup. Et il y a au total 3 fils. Ce sont que des fils de chez Langyarn. Je l'ai doublé avec cette laine-là que j'avais reçue justement de la part de Langyarn il n'y a pas longtemps. Donc en fait, Wool Addicts, c'est une marque de Langyarn, c'est la même chose. De toute façon, ouais, c'est écrit en dessous. Ça, c'est leur base Bliss. C'est un fil très doux, très léger, très aérien, qui ressemble plutôt à une chaînette.
Bon, c'est très synthétique, hein, je crois. Canon, oui. 84% coton et 16% polyamide. C'est d'une douceur. Et j'ai rajouté un mohair, un fil de mohair lace de chez Lang. Leur lace blanc. Et voilà ce que ça donne. Et là, je suis contente, j'aime beaucoup. Ça casse un petit peu, ça diminue un petit peu ces nuances qui sont quand même fort vives. Là, ça casse le côté très rose bonbon, rose pâle. Et ça donne quelque chose de très doudou, très moelleux, et qui, je pense, va être chaud. Et je savais quoi, j'avais une idée, si l'échantillon est collé, et l'échantillon il colle, je refais un Magnolia Bloom de Camille Havad. C'est un modèle que j'avais fait il y a un moment. Avec des laines de We Are Knitters, c'était leur sous-marque, on va dire, The Yarn Lovers. Je l'avais fait dans un fil polyamide hyper léger. Mon pull est super léger, mais il est très grand. Il est vraiment trop... Bah, il est trop grand. Il est vraiment trop grand. Alors, je le mets quand même, mais il a ce côté très très loose. Et je me suis dit, oh non, mais en plus, je l'aime bien. J'aime bien ce modèle-là avec ses nappes, sa dentelle. Je le trouve super beau. Et donc, là, l'échantillon est bon. Donc, je le refais comme ceci. Et c'est ce que j'ai fait hier et j'ai eu, j'avoue, du mal à le lâcher. Voici donc mon début du Magnolia Bloom, donc de Camille Havad. C'est un patron disponible en anglais, en danois, en norvégien, mais pas en français. Il est disponible en plusieurs langues, mais pas en français. Et donc voilà le début de mon pull. Donc on a un col en côte double. Que je vous montre, il est doublé, donc il est vraiment très chaud, très, très moelleux. Et là, on voit le début de la dentelle avec les nappes. Donc là, j'ai trois nappes. Vous voyez le début des jetés, là. Hop. Voilà le début des jetés. Je tricote en 6 et 6,5, je crois. Non, en 6 et en 5,5. Ouais, c'est ça, j'utilise 5,5 pour les côtes, 6 pour faire là le corps. Alors, là, d'avoir les trois fils, tant que je... Ben, ça se voit, ça se tricote bien, c'est très agréable, c'est super doux. Mais alors, faire les nopes, ça, c'est pas fun du tout. J'ai un peu de mal à faire les nopes avec les trois fils, c'est pas des plus agréables. Pourtant, c'est des nopes vraiment simples, qui sont pas compliquées et qui rendent bien. Et je pense que, de toute façon, c'est, voilà, elles sont conçues pour être simples, parce que le bâton, il est fait pour être avec un... Il est doublé, il a trois ou quatre fils. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez simple en manipulation puisqu'il y a beaucoup de fils. Mais j'avoue que ouais, c'est quand même pas évident de les faire avec ces trois fils-là qui accrochent bien. Surtout le bah, la muse en fait, elle accroche bien. Mais même avec le mohair, ben, ça fait très poilu. Et donc faire les nappes, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. C'est pas le rang que je préfère faire. Et il y a quand même, il n'y a pas énormément de nappes, mais il y a quand même plusieurs nappes à faire. Mais bon, voilà, je me dis que c'est tout, c'est juste ça qui est pas très agréable. Après, le reste, ça va, quand je fais les rangs en vert, ça roule bien, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Donc, c'est ce que j'ai commencé hier, je pense. Alors, c'est avec un gros pull bien chaud, je risque pas de le porter cet hiver, mais tant pis, parce que je crois que si j'attends de tricoter quelque chose que je peux porter dans le même temps, dans la même saison, bah en fait, je m'en sors pas. Il aurait fallu que je commence mes projets d'hiver... en octobre, novembre, pour les avoir en décembre, janvier. Donc je me dis, tant pis. J'y tricote quand il fait pas très beau, qu'il fait froid, que ça serait le moment de le mettre, mais je le porterai l'an prochain. Mais c'est vrai que j'avais envie. En fait, depuis que j'avais reçu les pelotes de Bliss, j'avais dans l'idée voilà, de vouloir la doubler avec la muse, d'essayer de voir ce que ça donnait. Et puis là, je me suis dit, allez, j'ai envie, faut. Ah, vous avez pu voir aussi, on a acheté en fait une malle, parce que je déborde de laine. Ça déborde vraiment... énormément, c'est là que je me rends compte que j'en ai beaucoup puisque je n'arrivais plus du tout à la ranger. Mon coffre est plein et ma malle est pleine, vous avez pu voir les vidéos. Dans la malle j'ai mis tout ce que je voudrais vraiment tricoter là, j'ai mis plusieurs pulls en mohair que j'aimerais faire là, même si je les porte pas, jusqu'à mes projets d'été en fait, j'ai mis des pulls de printemps et des projets d'été dedans, voilà. Je sais pas trop comment je vais tricoter tout ça. J'ai laissé de côté tout ce qui était coloris d'automne en haut. Je me dis ça, c'est vraiment pas le... C'est pas mon mood, en fait. C'est pas ce que j'ai envie de tricoter en ce moment. C'est vrai qu'en ce moment, je suis encore envie de faire des pulls en mohair chaud, même si je les porterai pas longtemps. Même si j'ai très envie de ressortir tous mes pulls de printemps. Oh, le chat. Mais voilà. Bon, bref.
Voilà, donc j'ai tout ressorti, je sais plus ce que je disais. Bon, j'ai rempli la malle qu'on a achetée. Heureusement, on avait pris la plus grande, on l'a trouvée à la foire fouille, voilà, si jamais ça vous intéresse. Et elle est arrivée là en bas, et comme ça, il y a toutes mes laines pour mes futurs projets. Mais ouais, non, on a dû acheter un nouveau rangement parce que ça passait plus. Et c'est pour ça qu'en sortant tout, je me suis dit, ah, ben, je vais me lancer tout de suite, allez hop, et ça sera fait. Donc c'était pas prévu, mais ça me faisait plaisir, et donc c'est tout ce qui compte. Donc vous allez voir ça avancer. Dans ce que je vais commencer quand même pas mal de choses. Je voudrais commencer le Whitmore sweater, donc faut que, mais j'ai rien bobiné finalement, faut que je bobine les laines du Whitmore sweater. Je vous avais parlé du châle Red Katana à faire également, faut que je bobine les laines, et là-bas, là, les chevaux jaunes là-bas derrière, c'est pour les chaussettes de Noah, et il faut que je le fasse aussi. Donc en fait là, en début de semaine, ça va être beaucoup de bobinage. Je vais faire un petit échantillon rapide pour mon Whitmore, être sûr de ma taille d'aiguille, même si normalement j'ai été regarder l'échantillon, il est classique. Donc normalement je devrais pas avoir de souci à l'avoir. Je sais quelle taille d'aiguille utiliser puisque c'est un échantillon que j'ai déjà fait en fingering et moire. Donc voilà, mais je vais refaire un petit rapide juste pour m'assurer en fait sur quelques rangs que je suis bon. Puis en fait je vais le détricoter et je commencerai mon pull. Je fais moins d'échantillons. Je fais des petits échantillons rapides au départ que je regarde parce que si je vois que c'est une laine dont j'ai l'habitude avec un échantillon dont j'ai l'habitude, voilà, je sais. Il n'y a que pour les tests où je continue à être bien carré et à faire attention. Mais c'est vrai que je vois que maintenant il y a ma tension, elle est régulière en ce moment. Elle a modifié au cours de ces 2 dernières années, mais en ce moment, je suis assez fixe et donc. Je pense que oui, j'ai une certaine confiance en ma façon de tricoter et je fais un peu moins d'échantillons. Voilà, donc voilà pour ce début de semaine. Aujourd'hui, je porte mon gilet Elton. Voilà, ce gilet hyper oversize. Vous voyez là, là c'est la moitié du gilet. Il est vraiment très très large, mais voilà, ça ne me dérange pas. C'est comme ça qu'il est pensé. J'ai de quoi refaire une version pull et je vais partir du gilet en fait. Je suivrai les instructions du gilet, sauf que bah, arrivé une fois là, au lieu de continuer tout droit, je rejoindrai les deux morceaux. Le chat qui saute dans les jouets des petits. Par contre, la version pull, je la ferai beaucoup moins oversize. Je vais la faire beaucoup plus petite, beaucoup plus resserrée que le gilet. Et puis voilà, faut que je le fasse dans mes projets. Et je vais le faire dans des couleurs que j'ai pas l'habitude. Je vais le faire dans un très joli gris foncé. La fingering, je l'ai pris chez Laine de Mottes et le Mohair, chez les petits points parisiens. Parce que c'est des couleurs qui sont censées rentrer dans ma palette de couleurs suite à l'atelier colorimétrique que j'avais fait ce jour-là. Et c'est vrai que j'aime les couleurs, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de porter, mais voilà, je me dis que ça allait être intéressant d'avoir un vêtement différent. C'était pour voir un peu les effets justement de ce changement de colorimétrie sur moi. Mais enfin, voici toujours mon petit Elton donc, que j'ai porté ici, que je portais. Que j'ai tricoté avec de la jawel silk. Je l'avais acheté chez Justine. Elle me l'avait très gentiment offert, les pelotes. Et ça, c'était du mohair de la ferme des France qu'on avait acheté pendant nos vacances. J'en profite d'être debout pour vous montrer ma couverture de Steven West. Je vous en ai même pas reparlé hier. Je continue, hein, 2 sections par semaine. Et voici celle que j'ai commencée. Bah, je l'ai faite, voilà, déjà. Elle est faite. La dernière que j'ai fait la semaine dernière, c'était celle-ci. On avait laissé les mailles en attente et vous voyez, on vient faire ce triangle-là qui n'augmente pas la hauteur. Alors je vais prendre du recul. Alors, hop, si je vous montre un côté comme ça. Voilà, vous avez vu un peu une vue d'ensemble de la couverture. Et donc j'ai regardé et j'arrive bientôt quand même en fait à la fin.
Là, il y aura une section en plus et au niveau hauteur, on sera arrivé en haut. Et en fait, la section qui sera là, ça sera celle qui fera le coin, le troisième coin de la couverture. Donc voilà. La prochaine section, elle se, bah, c'est pas celle-là, c'est une plus en intérieur. Donc bon, bah, ça se poursuit. Comme ça, vous avez une belle vue d'ensemble. Bon, moi, je voyais rien, mais je le reverrai sur l'ordinateur au montage, donc ça va être sympa. Parce que c'est vrai que je prends pas le temps de la poser au sol pour la regarder ou autre. Bon, je la tricote. Donc au moins j'aurai moi aussi une vue d'ensemble, ça va être chouette. Ça c'était le reste de mon t-shirt Sambuco. C'est un coloris que j'ai déjà utilisé ici. Et j'en ai pas eu assez pour finir ma section. Donc j'ai trouvé un bleu que j'ai mis là. Voilà. C'est pas grave. Franchement c'est vraiment pas très grave. Ça fait une petite couleur en plus. Là tout de suite je vais bobiner des écheveaux, alors depuis hier je fais que ça, je bobine mes écheveaux pour le Whitmore que je vais faire en version pull, il y a la version pull et cardigan, moi je vais faire la version pull, donc j'en ai déjà, j'ai 6 écheveaux pour le Whitmore, j'en ai déjà fait 4, il m'en reste encore 2, et là je vais faire ceux pour le châle Red Katana de Svetlana Volkova ou quelque chose comme ça. Ah, ça rend bien les couleurs, c'est beau. C'était les restes de... les écheveaux non utilisés de mon rose cardigan de Andrea Mori. C'est la pelote vagabonde. C'est d'une douceur incroyable. Il y a du cachemire dedans. Alors là, c'est marrant parce que vous voyez, les deux écheveaux, ils ont l'air assez proches en couleur. Et quand on les éloigne, on voit bien la différence. Mais là, on pourrait croire que c'est les deux mêmes. Non, là, ça dépend en fait des nuances. Mais c'était 4 couleurs différentes qui formaient un joli dégradé. Et c'est vrai que oui, ces deux-là, passer de l'une à l'autre, ça fonctionne bien. Donc voilà, là, je vais filmer ça. Mes carrés sont tous terminés. Ils sont tous lavés, secs. Il n'y a plus qu'à commencer la couture. J'avais oublié que j'avais ça à faire. Donc pas sûr que je commence tous les ouvrages que je voulais commencer cette semaine, puisque ben voilà, j'ai quand même tout ça. Ça, c'est tout ce que j'ai lavé. Ce week-end, j'ai tout cela, plus tout ceux d'avant. Bah, bref, il faut tout assembler. Donc ça se fait au crochet, je pense pas que ça soit si long que ça. Mais ça va quand même prendre un certain temps. J'ai vu que dans le patron que je me suis servi pour faire le granny, il y a une bordure. Il y a les explications d'une bordure, donc je pense que je vais la suivre. J'aimerais bien avoir toute une bordure autour de ma couverture pour la finaliser. Mais ça y est, c'est assorti à... à mon gilet. Donc ça aussi, ça faut que je le fasse parce que bébé... Ah non, j'allais dire bébé va bientôt naître, mais non. Non, non, il est prévu pour le mois prochain, mais je vous l'avais dit, c'est une amie à moi et sa première fille, son premier enfant était arrivé avec plus d'un mois en avance. Donc à chaque fois, je m'attends à ce qu'elle me dise qu'elle va accoucher. Mais non, 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 il n'y a pas de raison que ça se reproduise de la même façon. Sinon, en fait, j'ai encore un mois. Oui, ça va, on est large en fait. On est large. Oui. Enfin bref, quand même, toujours est-il faut que je le fasse. Donc là, je vais bobiner ça. J'avance sur mon châle de brioche pour le thé. J'avance aussi sur le Magnolia Bloom de Camille Avad. Parce que j'ai envie de passer l'étape des nobles qui est pas franchement tip-top à tricoter. Mais je vous montrerai, je pense, tout ça demain. Parce que sur le Magnolia Bloom, j'aurai une bonne avancée dessus. Voilà. Ah oui, et sur j'ai mis dans les shorts parce que j'avais mon châle aujourd'hui. Ah, je l'ai pas là. Je l'ai jamais avec moi où il faut. J'avais mis mon châle, le Jump for Joy de Nadia, que j'avais tricoté avec des laines de The Willy Skin que j'adore. Le coloris eucalyptus et le coloris succulent. Succulente. Magnifique, j'aime beaucoup. C'est un châle avec des côtes anglaises et franchement très très beau. Et il s'accorde bien avec mon Elton. Voilà. Thank you.
Aujourd'hui, je suis haute en couleur. Il faut dire que je suis malade. À force d'être dans les microbes, j'ai fini par les attraper aussi. Donc c'est pas la grande forme, mais bon. Voilà, donc bien couverte pour pas avoir froid. J'ai mis mon gilet, le Fade It Brioche. Je sais pas du tout le nom de la designeuse que j'avais tricoté. Donc c'est un gilet qui est pensé pour être tricoté en dégradé avec... moi j'ai fait avec 6 couleurs au total. Principalement que des laines de Bulbe Bizarre, il y a que ici, c'est un écheveau de Tricot et Stitch. Et il s'avère que j'ai rien, franchement rien qui va avec ce gilet-là en châle. Alors je me suis dit, quitte à être colorée, autant mettre mon châle iris. Une autre couleur encore, hein, mais voilà, je me suis dit, colorer pour colorer, on y va à fond. Donc j'ai mis mon châle iris. En dessous, je porte un t-shirt que j'ai brodé moi-même. Voilà, une jeune fille qui tient un bouquet de fleurs devant son visage. Et voilà, ça me va très bien, parce que je suis malade. Et j'ai par contre, j'ai de quoi faire un châle, et je pense que je vais refaire un châle iris. J'ai un très joli kit d'un écheveau avec un mini de chez Bulbe Bizarre. Et je pense qu'il irait très bien justement avec mon gilet. Donc voilà, à faire plus tard. C'était pour ce que je portais. Mon Magnolia Bloom avance bien. Je vous montre. Voilà ce que ça donne aujourd'hui. Je vois pas pourquoi je me suis embêtée à faire les nappes, on les voit pas. Hop. Ça fait quand même assez chamarré. Hein. Je vous avais dit, je doublais la laine pour casser un peu le côté très coloré, mais bon, ça reste un pull très coloré, mais j'aime bien. J'aime bien, puis voilà, ça mettra de la couleur dans l'hiver. Voilà, quand je vous mets de proche, on voit bien le motif. Alors, j'ai fini les nappes. Il y en a 4 ici et 4 là. Donc ça, c'est fini. Y a encore le motif à faire. Et ça se fait bien. C'est super doudou, c'est hyper agréable. Mon chéri aime pas du tout. Je suis enfilée. Et il me disait, ça gratte, ça gratte, ça gratte, ça gratte. Il supporte pas du tout le mohair. Voilà, c'est une chose, hein, je le savais. Et je pensais que ça, c'est tellement doux. Mais à lui, il aime pas. Hop. Voilà ce que ça donne quand je l'enfile. Ça fait vraiment un col proche là, du coup. Ça va être vraiment bien pour les journées froides. Là, ils annoncent le retour du froid. Bon, il sera pas fini. Mais voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc, je suis encore dans la dentelle. Il me reste une dizaine de rangs. Et j'ai fini la dentelle. Et après, certainement qu'on sépare les manches du corps. Mais voilà. Il avance bien. C'est agréable à tricoter. Ouais, moi, je trouve ça super doux. C'est très coloré. Hein. Ça plaira pas à tout le monde. Mais moi j'aime bien. Et là j'ai vu Marie-Christine Lévesque, elle vient de sortir un gilet qui correspond au même échantillon où il n'y a rien dessus. Vraiment un gilet simple, basique, qui aurait été bien aussi pour cette laine-là. Puisqu'elle est très nuancée, quelque chose sans rien, ça aurait été pas mal. Parce que c'est vrai que là, je me rends compte encore. Quand je le tricote, moi je le vois comme ça, je vois bien le motif, je vois bien la dentelle. Mais quand je le montre, je vois quand même que ça se perd dans les couleurs en fait. Mais bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Alors, mon premier écheveau de muse, il en est là. Il y en a encore pas mal, ça descend pas... C'était un gros cake au départ, donc bon, ça descend bien, mais j'ai donné 2 écheveaux et je pense que ça sera largement suffisant, parce que j'avoue quand même que j'ai douté un peu. Et je suis aussi encore sur ma première pelote de... Bliss, de Wool Addict. Enfin, vous allez entendre mon garçon, il blablabla. Vous devez l'entendre. Voilà, ça, hop, donc c'était ça, voilà, et j'en ai encore pas mal. Donc j'en ai 8 pelotes au total, alors je vais en avoir largement assez. Mais voilà. Voilà pour ça. Ça avance bien. J'ai commencé un nouvel ouvrage, vous avez pu voir, hier j'ai bobiné tous mes écheveaux, tout ce dont je voulais pour, les tricots à venir. Et en fait, je laisse pas mon bobinoir et mon dévitoir en place, je les ai enlevés, je les ai rangés. Et hier soir, je me rends compte que j'avais pas bobiné le mini écheveau pour les chaussettes de Noah. Donc on l'a fait, j'ai pris un pied de mon chéri, j'ai pris un pied à moi, hop, j'ai mis le mini écheveau autour, puis j'ai déroulé, puis j'ai fait une boule à la main. Ça fonctionne bien aussi, hein. Pour un mini écheveau comme ça, c'est bien, c'est pas trop long, c'est pas trop embêtant. Et donc voilà. Alors moi là, mon retour caméra, il est bleu, c'est une couleur qui va être impossible, c'est franchement un très joli vert. Ça s'approche un peu, mais je sais pas, au retour caméra, je l'ai bleu.
Ça, c'était un turluré, mais c'était dans son calendrier pré-anniversaire de l'an dernier. Vous pouvez pas avoir ce coloris-là exactement. Et donc, j'ai commencé les chaussettes de Charlotte Stone, les Cherry on Top, qui sont dans son livre. Dans ce livre-là, alors moi j'ai la version anglaise, la version française n'a pas la même couverture, c'est la couverture avec la chaussette, avec les cœurs, il me semble. Hop. Ça doit être. Ce sont ces chaussettes-là, dans le livre en français. Moi j'ai la version anglaise, je crois qu'elle prépare un deuxième livre. Je suis contente, moi j'aime beaucoup ces modèles, j'achèterai le deuxième. Donc c'est ce modèle-là que je fais, qui se commence là par les côtes, hop, on fait tout le pied. Je fais pas les rayures parce que j'ai que des mini, on utilise des mini. J'utilise mon verre pour pas grand-chose en fait. Mais voilà, on fait pas les rayures. On fera tout jaune, il a choisi jaune. Donc il a choisi jaune. Chez Hélène de Mout, quand elle était chez Justine, une tasse de fil et d'aiguille. Du rouge de chez West Yorkshire Spinners, parce que je sais qu'il déteint pas. Et donc le vert de chez Teinture Lurée, un mini que j'avais. Et j'ai commencé donc les chaussettes. Voilà le début de la chaussette. J'ai commencé un petit peu le jacquard. Voilà. Pas grand-chose de fait, mais c'est déjà ça. J'utilise mon mini contrant. Celui-ci provient de chez Woolbags. Je vous mets mon code à l'écran qui vous permet d'avoir 10% de remise sur vos commandes chez Woolbags. Et donc ouais non bah voilà. C'est parti pour sa nouvelle petite chaussette, c'est mignon. Donc on la commence là, j'ai fait un German Twisted Caston pour avoir un montage vraiment ample. Pour être sûr qu'il passe bien, je l'ai fait le montage en 2,20 en 2,5 avec des aiguilles 2,5. Et par contre je rigole la chaussette en 2,25. Mais je voulais être sûre que ça soit élastique. Et je voulais pas faire le. Un montage tubulaire, j'avais la flemme. Donc j'ai juste fait le German Twisted Caston que je trouve qui est quand même déjà bien souple. Et puis voilà. Et je fais la taille 2. Donc c'est 64 mailles, mais là on a agrandi jusqu'à 80 mailles là pour au niveau du jacquard. Donc c'est parti pour les petites chaussettes. J'ai fait le rouge. On fait juste ces petits trucs en rouge. J'ai coupé mon fil parce que là, je fais quelques rangs de jaune. Après, je fais toute la partie haute avec les feuilles. Donc il y a bien une dizaine de rangs où le rouge revient pas. Donc j'ai coupé mon fil. Je me suis dit plutôt que de le faire courir. Surtout que quand il va l'enfiler, il va pas vraiment faire attention. Donc vaut mieux pas qu'il y ait un fil. Voilà, j'ai coupé le fil, je le rentrerai. Hop, il passera son pied dedans sans problème. Donc ça y est, c'est reparti, une petite paire de chaussettes. Bah pour l'instant, il faut que je suive le livre parce que je suis le diagramme qui est dans le livre. Mais après, une fois le diagramme fini, je fais le talon et puis ça sera un tricot zéro cerveau. Une à la fois. J'avais beaucoup aimé faire mes chaussettes de Noël, de Lysandre en Noël. J'avais fait une chaussette les deux chaussettes en même temps. J'avançais sur l'une, donc par exemple, j'avais tout divisé, je sais que je faisais 12 rangs, je crois, par jour. J'aurais fait les côtes sur la première, voilà, bah j'aurais dû faire les côtes sur la deuxième. Mais j'ai pas. Pour faire ça, il faut peser sa laine, la diviser en deux. Et j'avoue que j'ai tout rangé mon bobine noir, donc non, je vais faire une chaussette, puis j'en ferai une deuxième après. C'est pas. J'ai pas le problème j'ai pas le syndrome de la deuxième chaussette. Quand j'en fais une, je fais la deuxième. C'est pas un problème pour moi. C'est pas. Voilà. Donc c'est tout bah, pour aujourd'hui. J'ai encore. Après j'ai pas commencé les autres. Je me dis je vais attendre de finir la dentelle de mon Magnolia Bloom avant de commencer un des autres ouvrages. Et puis oui, et puis voilà. Aujourd'hui, je porte le pull Wannabe, encore une fois. Mais celle-ci, c'est la version, on va dire, originale, avec des rayures fines, en fait. Voilà,
ce à quoi ressemble le pull wannabe. Vous l'avez vu, si je ne dis pas de bêtises, j'ai dû le mettre lundi, hein, je crois, mon pull wannabe façon hard sweater. Je vous ai expliqué que j'avais fait des rayures de 4, 8 rangs. Des rayures de 8 rangs. J'ai fait 5 couleurs, mais en fait, voilà, le wannabe, c'est une couleur, et c'est normalement une couleur contrastante pour faire des rayures fines. Alors là, moi, j'avais un petit peu adapté. J'ai utilisé 4 mini de chez Laine de Mout. C'était un bouquet de Saint-Valentin. Il y a 2 ans, 3 ans. Et donc j'ai alterné différents roses rouges. Vous voyez, j'ai un rose très pâle, un rose vif, un rose pâle et un rouge. Et puis voilà, j'ai alterné mes rayures partout sur le corps, les manches. J'ai utilisé les 4 couleurs voilà, partout. Et j'aime beaucoup le rendu de ce pull-là. Donc voilà, le pull wannabe, à la base, il est pensé pour être fait comme ça. Mais voilà, j'ai utilisé cette base-là pour faire mon un rose sweater parce que j'aimais beaucoup la coupe du wannabe. J'aime son col, j'aime les raglans. Donc voilà. J'ai ressorti d'ailleurs tous mes ouvres, mes pulls, mes t-shirts de printemps-été. Ça a fait rire Noah, mon deuxième garçon, quand il m'a vu. Je lui ai dit, bah je suis en ma collection printemps-été. J'ai pas tout rangé de l'automne-hiver. J'ai rangé quand même beaucoup de choses aux couleurs de l'automne parce que c'est pas ce que j'ai envie de mettre maintenant. Donc je les ai rangés. Et il y a des pulls d'hiver que j'ai gardés. Il y en a certains d'autres que j'ai rangés au placard parce que bah, tout ne passe pas dans mon dressing en même temps. Donc il a fallu faire un choix. Et puis il faut être honnête, de toute façon j'ai des préférences entre certains pulls par rapport à d'autres. Donc il y en a certains que j'ai rangés, il y en a d'autres que j'ai gardés. Et voilà, j'ai remis donc dans mon dressing, j'ai remis tout ce qui était les t-shirts, les débardeurs. Clairement les débardeurs je vais pas les mettre maintenant, mais il fallait vraiment que je vide toutes mes caisses de ma collection printemps-été pour essayer d'y rentrer l'automne-hiver. Et vu que je continue à tricoter des vêtements, ben, en fait mes caisses sont archi pleines et je sais que j'aurai du mal l'an prochain à ranger. Faut que je trouve un moyen de ranger un peu mieux. En fait on a un dressing dans notre chambre où on stocke en fait... Bah, des manteaux, tout ça, tout ce qui est drap. Et là, faut que je trouve un moyen de faire la place pour une nouvelle caisse pour des tricots. Mais bon, c'est un autre problème. Donc là, j'ai fait ça. Voilà, je fais le rangement, tout ça. Il y a des choses que j'ai pas encore rangées parce que je voudrais bien les relaver avant de les mettre en caisse. Ah, il pleut. Désolée, je suis distraite par la pluie. Donc bon bref, j'ai fait mon changement et puis j'ai bien fait de le faire maintenant parce que bah c'est encore le moment de mettre des pulls et j'ai quand même plusieurs pulls de printemps dans les couleurs beaucoup roses que je vais mettre là tout de suite et donc je suis contente, ça apporte un petit peu de nouveau à ma garde-robe sans que ce soit des choses nouvelles. Sinon, j'ai commencé à assembler ma couverture de bébé, ça a bien avancé. Je vous montre un peu ce que ça donne. Alors, je vais essayer de vous montrer comme ça. Voici ce que donne la couverture de bébé. Je suis en train d'aligner mes rangées bah, dans ce sens-là. Vous voyez, là, ils sont tous crochetés les uns avec les uns aux autres. Et ensuite, il faudra que je reprenne dans l'autre sens pour finir de ce côté-là. Parce que mon chéri m'a dit, bah, c'est plein de trous. Je dis, oui, mais c'est pas fini du tout. Après, il faudra encore faire dans l'autre sens. Donc voilà un peu le rendu visuel de la couverture. Là, il me reste à faire à ce niveau-là. J'ai encore une ligne à ce niveau-là. Au début, j'avais commencé parce que quelqu'un m'a donné cette idée-là. C'était une super idée. Vous savez, en fait, moi, avec une pelote de... J'ai plus d'étiquette du tout. Une pelote de Merino Extra Fin de chez Drops. J'arrivais à faire 4 carrés. Et il me restait toujours un reste. Mais un joli... il me restait un reste pas suffisant pour faire un carré et quelqu'un m'a dit bah tu pourras t'en servir pour faire les coutures, donc chose que j'ai faite, mais en fait avec un reste j'ai même pas réussi à aller jusqu'au bout de ma ligne et pourtant je suis dans la largeur, donc là où il y a le moins de carrés. Il y a un moment où j'ai dû faire un nœud raccordé avec une autre pelote pour finir la rangée. Je me suis dit bah non, ça me fera encore plus de fil. Donc comme il me restait quand même une pelote qui était déjà entamée, bah, je me sers de cette pelote là pour faire tout parce qu'au moins j'arrive à faire ma rangée sans nœud, sans rentrer de fil encore plus. Le seul bémol c'est qu'elle se voit un petit peu de ce côté là, c'est quand c'est le vert, ça se voit un peu, mais bon c'est pas grave. Je pense pas que ça soit très grave. Donc voilà, clairement bon bah pas de tête de Mickey parce que clairement pas assez de laine. J'ai... des restes de mon pull Anouk, j'ai ce fil là, il peluche beaucoup, mon pull Anouk peluche pas mal, fait pas mal de bouloches. Je vais l'utiliser pour faire juste la bordure, mais qui va être quand même assez grande. Bon, j'ai deux pelotes donc je pense que je suis large, mais je vais faire la bordure. Bon, bah, c'est encore un vert en plus,
Mais ça va finir la couverture quand même. Ça fera joli, je pense, d'avoir une bordure. J'ai pas osé faire toutes les coutures avec parce que comme je sais pas du tout la bordure, combien ça va me prendre de laine, je voulais être sûre de pas en manquer. Donc j'ai fait la bordure en vert foncé comme ça. Et peut-être que si vraiment à la maison on est tous d'accord pour dire que la bordure dans un troisième vert, c'est pas beau, bah tant pis, j'achèterai une pelote. Mais je vais quand même essayer de voir. Donc ça avance. Il me reste plus qu'une dernière rangée à accrocher au reste. Et après, bah voilà, faire ces rangées-là où c'est troué. Mais ça rend pas mal, hein, c'est quand même joli, j'aime bien. Elle fait son poids. Elle fait un petit peu son poids. Il y a quand même pas mal de pelote dedans. Donc c'est vrai que c'est une couverture lourde. Et j'utilise par exemple beaucoup ma couverture que j'avais tricotée avec le fil doudou. Je vais la chercher. Alors pour ceux qui ont. Je l'avais faite. Je l'ai faite. Je sais plus. Bon, bref, je l'ai faite. L'automne dernier, je crois. J'ai fait cette couverture-là, donc qui se tricote dans ce sens-là. Et c'est avec le fil doudou, c'est des grosses pelotes en fait, donc c'est quatre pelotes. Ils ont simplement raccordé une pelote, les deux fils ensemble, mais c'est quatre pelotes de quatre couleurs différentes. Donc là, il y a 100 grammes. C'est d'une légèreté incroyable. Celle-là, je sais pas, il faudrait que j'aille voir sur Ravelry. J'ai pas encore en fait mis les quantités sur Ravelry, il faudra que je le fasse. Mais je sais plus combien il y a de pelotes. J'ai dû en faire 4 comme ça, 6, non, 6 comme ça, 4 comme ça, 2 comme ça, on va dire. Il y a au moins 10 pelotes. Elle faisait 50 grammes les 10 pelotes, donc il y a au moins 500 grammes de laine. Donc là, ça fait un poids, c'est lourd. Ça, c'est super léger, c'est super bien. Franchement, j'ai pas aimé le tricoter, c'était long, c'était ennuyeux. Le fil n'est pas désagréable à tricoter, ça par contre, il n'y a pas à dire. Voilà, c'est juste que bah, c'est très redondant, hein, c'est que du point à mousse, je l'ai fait que en point mousse. Mais c'est très léger, c'est très chaud, et ça, c'est vraiment bien. Moi, je vois, j'ai le bébé que je garde, la plus petite, elle enlève tout le temps ses chaussettes, elle bouge des pieds, elle bat des pieds, elle enlève ses chaussons, elle enlève ses chaussettes. Quand elle est sur le tapis, je lui mets ça sur elle. Et ben, elle a chaud, et elle a bien chaud, et elle est quand même libre dans ses mouvements. Donc, je la mets juste, je la couvre jusqu'au bassin, hein, je la couvre pas jusqu'en haut pour pas de risque d'étouffement. Puis, de toute façon, je suis à côté, mais voilà, vraiment juste pour ses jambes. Et sauf qu'elle continue à battre des jambes parce que c'est pas lourd, c'est hyper léger, mais ça tient chaud, ça tient vraiment chaud. Donc, oui, c'était barbant à tricoter, mais franchement. Le rendu de l'objet, il est top. Je n'ai pas de peluche partout, elle vieillit bien. Moi, je l'utilise énormément, je la traîne partout. Maman va, quand on fait des sorties et tout, je l'ai toujours avec moi, je l'ai beaucoup à la maison. Elle est jamais bien loin et franchement, elle est top. Je suis vraiment contente. Je suis désolée, je suis toujours malade, mon nez, il est bien pris. Je suis vraiment très très contente de cette couverture-là, de ce fil-là. Voilà. Et là, je me rends compte que maintenant qu'elle est finie, celle-là, bah, elle fait un poids et c'est vrai qu'elle va être lourde. Donc ça va être joli, certes, mais ça va être assez lourd quand même. Enfin voilà. C'était les petites avancées du jour. Bah, je vais poursuivre ça pour continuer. Demain, on est vendredi, donc je viendrai faire un point de toutes mes avancées sur tous mes tricots cette semaine. On se retrouve pour la fin de ce vlog. Aujourd'hui, je porte le pull Clarisse, un modèle de Nadia de NCNIT. Ça fait partie de sa collection de jacquard. Je l'ai tricoté, je sais plus, il y a 2 ans, 1 an. Je sais que je l'ai tricoté dans l'idée de vouloir le faire dans des couleurs printanières pour le mettre à cette saison-ci. Et c'est pour ça qu'il était vraiment temps que je le ressorte parce que celui-là, il est chaud. Je l'ai tricoté en or de Drops. Et je trouve que c'est une laine quand même qui tient chaud. Puis bon, bah là, le jacquard, forcément, avec les fils doublés, il tient chaud. C'est un jacquard vraiment simple. Il y a une symétrie. Hop, si je me lève, vous voyez, là,
C'est vraiment l'axe de symétrie, on reproduit la même chose en dessous. Ici le petit motif, vous voyez, c'est vraiment très simple, très symétrique, vraiment accessible aux débutants. C'est vraiment pas un jacquard compliqué. Je pense pas qu'on doit croiser ces fils. À première vue comme ça, je pense pas. Les augmentations se trouvent dans des rangs où il n'y a pas de jacquard. Bon, bref, vraiment un jacquard très accessible aux débutants. Moi j'ai fait en noir de drops. On me pose souvent la question, moi mes pulls noir de drops ils passent à la machine, ils ne feutrent pas. Je sais que certaines personnes ont essayé et leurs pulls ont feutré. Moi les miens ne feutrent pas. Je pense qu'après voilà, tout dépend aussi peut-être de la machine finalement. La machine à laver qu'on a. Donc c'était pour ce que je portais. On va faire un petit point sur l'avancée de mes tricots. Je pensais monter deux nouveaux ouvrages, le Whitmore et le pull. Donc le pull Whitmore. Et le châle Red Katana, mais non, finalement non. Les microbes ont eu raison de moi, j'avais pas la tête à vouloir me concentrer sur un nouvel ouvrage, donc c'est pas grave, ce n'est que partie remise, je ferai ça la semaine prochaine. Que j'ai à porter demain, c'est mon pull. Il faut dire que si j'avais pas monté ça, hein, j'aurais eu plus de temps pour autre chose. Le pull Magnolia Bloom de Camille Avad, et voici ce que ça donne. Ah là, avec la lumière, ça rend bien quand même. On voit quand même. J'ai terminé la jolie dentelle. Et on voit quand même bien. Avec les gros jetés, c'est quand même quelque chose qui se voit bien. Et j'ai séparé donc les manches du corps. Et j'ai commencé à faire le corps. Et voyez, en fait, en quelques rangs, j'ai déjà tout ça. Ça va être vraiment quelque chose qui va aller vite, je tricote en 6, donc le corps il va descendre super vite, ça va aller rapidement. Je sais pas le devant du derrière là par contre, j'avoue que... Il y a des rangs raccourcis, on fait des rangs raccourcis, donc il y a une différence entre le devant et le derrière, mais alors là tout de suite j'arrive pas à savoir. Je pense que le plus simple ça sera que je mette une étiquette une fois qu'il sera terminé pour mieux savoir. Je suis pas sur un grand câble, donc on peut pas se rendre vraiment compte de la taille. Ouais, j'ai beaucoup plus là que derrière. Ouais, est-ce que là, j'ai tout ça? Et là, sur le devant, j'ai que ça. Donc là, ouais, je suis sur le devant. Ah bah, mon marqueur, c'est au milieu du dos, en fait. Oh. Je suis pas encore bien rétablie. Donc, bon, bah, lui, il va descendre tout seul. Hein. Ça va aller vite. Hein. Ça, là, c'est que du jersey endroit. C'est des grosses mailles, c'est des grosses aiguilles. Ça devrait aller assez vite. Et ensuite, il y a les manches. Je crois que ça doit être des manches droites. Et puis, on resserre au bout, au poignet. Ça devrait être assez rapide. C'est super doux. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu. Ça va être moelleux, ça va être doux, ça va être chaud. Non, ça va être chouette. Donc, voilà pour mon Magnolia Bloom. Il a bien avancé. Ensuite, sur les chaussettes de noix, j'ai avancé un petit peu. Je vais dire, j'ai pas la chaussette, mais si j'ai la pelote. Il y a la chaussette au bout du fil. Je vous montre. J'ai commencé les feuilles de cerise. Voilà. Voilà où j'en suis. Alors là, c'est pas compliqué comme jacquard, mais il demande quand même de la concentration, puisque les deux feuilles sont différentes. Donc le motif, c'est vraiment tout ça entre mes deux doigts d'un coup. J'ai dû croiser mes fils. Au début, je croisais pas, mais j'ai fini par croiser un moment parce que bah, c'était nécessaire. Mais ça se tricote bien. C'est, bah, de toute façon, voilà, c'est pas compliqué. Hein. Des chaussettes en jacquard, en fait, à partir du moment où on suit juste la grille de motifs, hein, y a rien de compliqué. Y a pas de technique compliquée dans des chaussettes en jacquard. J'aime beaucoup les couleurs. Bah, ça contraste bien, ça ressort bien, c'est vraiment joli. Donc ça avance tranquillement, je ne lui ai pas encore montré, il faudrait d'ailleurs que je lui montre, il sera content de voir le début de ses chaussettes. Donc les Cherry on Top de Charleston. Avant que j'oublie, je vous montre ma couverture parce que souvent j'oublie celle-là. J'ai fait ma section, où est-ce qu'elle est? Ici. Je fais attention parce que je vais encore perdre des mailles. Et voilà la dernière section que j'avais à faire. Donc vous voyez, c'était quand même c'était assez long. C'est ce long rectangle. J'avais fait quoi avant? J'ai oublié déjà. Ah, j'avais fait celui-là, je crois. J'ai manqué de bleu, peut-être. Ouais, ça devait être ça. Donc là, je pense que la prochaine section, ça doit être certainement ici. On a laissé les mailles en attente. On va venir faire ce morceau-là, je pense. Bon, voilà, comme toujours, de toute façon, j'ai pas regardé.
Je fais au fur et à mesure. Et voici la grande section. Et là, je sais, c'est une laine single, toute grise. Non, je sais plus. J'allais dire je sais, mais si, je crois savoir. Ça doit être de la laine amourée, il me semble. Non, j'ai un doute en fait. Bon, bref, c'était un gris sur une base single. Très joli gris. Donc, bon, bah, elle avance tranquillement. La section, je sais, j'ai oublié, 33, 34 peut-être. Ça avance, ça suit son cours. Deux nouvelles sections la semaine prochaine. L'autre couverture. J'ai terminé d'assembler. Donc, toutes les rangées. Toutes les rangées de granit. Oui, vous avez un petit aperçu de ce que ça donne. Et donc, j'ai fait dans ce sens. Là, vous voyez, hop, dans ce sens-là, tout est accroché. Donc maintenant, il faut que je fasse dans l'autre sens que je raccroche tout. Elle a une bonne petite taille. Alors, j'ai regardé au total, il y a 650 grammes sans la bordure de laine dedans. Donc voilà, elle fait son poids. Mais elle est jolie. Donc voilà, ça, la semaine prochaine, bah, terminé. Alors, ça sera plus simple là, dans le sens où ils sont déjà accrochés. Parce que bah, là, il fallait faire attention de bien être sur l'endroit, de regarder quelle couleur je dois mettre à côté de quelle couleur. Enfin, donc c'était pas faux, ça demandait un peu de réflexion. Là, au moins, ils sont déjà accrochés. Je sais que j'en ai certains qui sont sur l'envers, et je m'en suis rendu compte trop tard. Et puis, bah, alors, des fois, quand c'est en plein milieu, j'allais pas tout défaire, puisque quand ils sont crochetés tous les uns après les autres. En une fois, donc si ça tombe au milieu, j'avais pas le courage. Si ça tombe au début, c'est galère à défaire. Bah, voyez, celui-là, il est à l'envers. Moi, je le vois. Celui-là, bah, il est à l'envers. Mais tant pis. Je me dis, c'est pas pour quelqu'un qui crochette. La maman, elle saura pas différencier l'endroit de l'envers. Donc, là, je regarde dehors, il pleut. Aujourd'hui, nous, c'est pluie, vent, grêle. C'est incroyable. Donc oui, je disais, je crois, je vais en avoir trois, surtout sur l'ensemble de la couverture qui sont à l'envers. Et bah tant pis, voilà, ça sera comme ça. Donc ouais, la semaine prochaine, faire dans l'autre sens, et puis peut-être commencer à faire la bordure, ça serait bien. Au moins, ça ferait un ouvrage terminé. Mais ouais, non, elle est jolie, c'est joli, j'aime bien. Mais c'est vrai que ça fait son poids. Mais je m'en doutais, mais c'est vrai que j'y avais pensé en sachant le nombre de pelotes que je commandais. Je savais que ça allait être pas tout léger quand même, mais ouais. Ouais, ça fait son petit poids. Et le dernier ouvrage que je vous montre, hein, je crois. On est tout bon après, hein, j'ai un doute. Mais je pense que c'est bon. Le test pour Laetitia. Hop, voilà où j'en suis, la deuxième section de brioche. Elle a bien avancé. J'ai atteint mon objectif, je m'étais dit à peu près de faire les deux tiers. Et ben, c'est chose faite. Il me reste pas énormément à faire pour terminer la section. Alors pas énormément, il y a quand même bien peut-être 12 rangs à faire, mais par rapport à tous ceux qui sont faits, il y en a, ça va, c'est pas énorme. Moi, j'aime, ça me dérange pas des rangs qui sont longs mais avoir moins de rangs. Je préfère ça où il y a, où les rangs sont longs mais il y en a moins à faire, que là il y avait tout ça à faire, même si au départ ils sont petits, que ça va relativement vite normalement. Mais je sais pas, moi ça me dérange pas les grands rangs, c'est pas un problème. Hop. Donc je remonte mon petit marqueur. Donc bah, il avance bien. J'arrive pas à me rendre compte de la taille, de ce que je peux voir dans les tests finis. Il a l'air vraiment grand. Moi je l'ai laissé pour l'instant sur un câble de 75 cm. Donc il est pas très grand mon câble. Je vois bien que j'arrive pas à bien déployer. Là vous voyez. Ouais non. J'arrive même pas à mettre bien la moitié du châle sur le câble. Donc je pense que ça va être vraiment un grand grand châle. Mais oui, pour l'instant, il faudrait que je change de câble. Est-ce que j'ai un câble plus grand? Oui, j'ai un câble plus grand, mais j'en ai pas non plus beaucoup plus grand. Mais ouais, c'est vrai que ça serait bien que je change de câble. Et ça, c'est le recto. Ça change tout le châle. Franchement, c'est incroyable de voir la différence entre le devant et l'arrière. Ça fait vraiment deux châles très différents. Et puis il va être réversible. C'est l'avantage du point brioche, point mousse, c'est qu'il va se porter des deux côtés sans problème. Donc voilà, lui il a bien avancé, je suis contente. Plus que deux sections après celle-là. Donc doucement mais sûrement, on arrive au bout.
Eh bien, on est arrivé au bout de cet épisode. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ben voilà, je parle du nez, je me suis entendue au montage que j'ai du mal à respirer, tout ça. J'espère que ça n'aura pas été donc trop désagréable pour vous à écouter. Mais voilà, je m'en excuse, j'ai été malade et j'y peux rien. J'espère que la semaine prochaine, je reviendrai en meilleure forme et avec une meilleure respiration, ça sera quand même nettement plus agréable. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et surtout un bon tricot et je vous dis à bientôt. Bye !